Bonjour Chenjin, félicitations déjà pour cette victoire impressionnante hein, au championnat du monde parisien. Première question un peu naïve, comment on se sent quand on a la médaille d'or et qu'on vient de gagner le dernier point qui nous fait accéder au titre de champion du monde ? Oui, ils se sont vraiment contents, mais après avoir descendu de podium, tout redevient zéro, donc on doit recommencer depuis. D'accord. Alors, un petit mot peut-être sur la prestation de ton adversaire, Tofik Hidayat. Qu'est-ce qu'il pense de cette prestation ? Il avait l'air très fatigué, Chen Jin avait l'air très très puissant sur le terrain. Comment est-ce qu'il a abordé la rencontre ? Oui, mais de la part de Chen Jin, il s'est bien préparé depuis hier et ensuite, d'après lui, c'est le problème plutôt le problème de l'âge parce que il est de l'âge peut-être parce que Chen Jin est plus jeune que Tofik et puis aujourd'hui il a su savoir se laisser subir les avantages de Tofik. D'accord, alors ben justement hein, une petite question sur la forme physique. Chen Jin a été très très rapide sur le terrain, très très puissant. Comment on fait concrètement quand on a tout un tournoi derrière soi et qu'on a beaucoup de matchs dans les pattes ? Oui, tout d'abord, c'est grâce à l'entraînement général et deuxièmement, c'est grâce à l'ambiance ici en France. Les spectateurs français sont adorables. Un petit peu d'adrénaline alors sur ce match ? Un petit peu d'adrénaline, un coup de boost de la part des spectateurs français. C'est les spectateurs français qui l'ont poussé. 今天是不是法国观众，然后让你就是鼓励了你呢？ 当然也是是的，yes. Bien sûr. Ben, merci et encore félicitations pour cette médaille d'or. D'accord, merci.